15 ans. Qu'est-ce que tu viens faire à Paname à cette heure-ci toute seule? Mais tu dois le savoir, non? La lettre. Quelle lettre? La lettre d'Henri. Henri qui? Oh, le boiteux. Mais c'est quoi ce bordel? Il est en tôle, le boiteux. Ah ben, il est sorti. La mémoire va me revenir d'un coup. Et adieu ta petite vie tranquille, Henri. Oh, mais c'est quoi ce merdier? Mais je l'avais presque oublié, cet enfoiré. Mais je croyais qu'il s'était pris 15 ans. Eh oui. Ah, le temps passe trop vite. Ça, c'est sûr. Je vous rappelle que je suis tombé pour une affaire qui vous concernait de près, mesdames. Il est sorti. L'enflure. Sur ces bonnes paroles, je voudrais bien savoir ce que nous prépare le boiteux. Je pencherai pour du chantage. Je veux savoir si vous êtes toutes les trois dans le coup. Bon, déjà, il est tombé à cause de nous. Mais ça, il ne doit jamais le savoir. T'étais pas obligé non plus de buter un flic en essayant de t'enfuir. Hein. La vérité, tu veux que je te la dise, c'est qu'on était bien contente de laisser notre parti de côté du moment qu'on a changé de vie. Vous oubliez quand même que l'arnaque de base, on l'avait montée tous les quatre. Et qu'on n'a jamais vu grand chance des bénéfices. Toi, Lina. Tu vas aller me chercher mon petit pactole. T'as pas intérêt à me doubler. Ah, la Nina, c'est pas la reine du sang-froid. À titre d'information, j'ai bien étudié l'emploi du temps de vos membres. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle a pas voulu parler clairement, mais c'est la panique. Et c'est du lourd. Un accident est si vite arrivé de vos jours. Vous vous rappelez quand le boiteux nous a dit qu'il pensait qu'il était suivi par les poulets? Même qu'on s'est foutu de sa gueule. Ben, c'était vrai. Et tu sais ce qui se passe, Nina, quand je suis en colère? Quand je pense que je suis tombée amoureuse de cette ordure. Je vous laisse 48 heures pour réfléchir à la situation. On peut dire que tu savais la choisir. On lit au comptoir, c'est les mêmes têtes de cons.